Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. M'a salué mémoire pour tout le garçon ça. Que criminel. Sans foi, ni loi, assassin, terroriste local qui mettait à terroriste international qui te débarqué 6-7 juillet qui pote aller Puerto Rico garçon ça que nous que tout le monde connaît qui te relait Jovenel Moïse là. Maintenant, une autre fois encore, je rencontre la presse pour me capable de dénoncer, non seulement devant la communauté nationale et la communauté internationale, une rencontre qui était organisée samedi dernier. Dans 111, Kay René mon plaisir. Dans la rencontre, ça, monsieur, tu es un représentant toute qualité, toute plumaille représentant l'opposition en dans la rencontre. Ça. N'a pas coulé champagne, n'a pas coupé gâteau, n'a pas fêté l'assassinat de Jovenel Moïse. Et en même temps tout, ils ont estimé façon planification là, moi Jovenel Moïse a passé là, c'est pas comme ça, ça a été planifié. Ça veut dire pour eux-mêmes, malgré l'assassinat de Jovenel Moïse, mais c'est un échec pour eux. Et dans le rencontre ça, tu as un représentant Dimitri Vop, tu as un représentant John Joel Joseph, qui malgré eux dit qu'il n'a pas honte, tu as un représentant et député ça Ville Saint, député Ville Saint, ancien député famille Lavalas, qui sortit à l'étranger, qui est venu dans la rencontre ça. Puis le gros problème que vous avez dans la rencontre là, c'est que ça a été planifié, ça a été concevoir, ça a été quoi pour le passé après la mort du président Jovenel Moïse là, après l'assassinat du président Jovenel Moïse là. Eh bien, ce n'est pas le cas. Parce que pour eux-mêmes, même côté, ils ont annoncé Jovenel Moïse mourir, eh bien, la population a pris la rue, et dans la rue, contentement ça, tu as une liste de monde qui ont été tout déchouqué, qui ont été tout assassiné dans l'opération ça. Parmi les gens, il y a une liste de 65 noms, gens qui sont très proches du président Jovenel Moïse, pour les assassiner. Parmi lesquels, moi-même, je suis en troisième position dans l'histoire. Et, je suis même tellement allé plus loin, je suis allé visiter Kaïmouem dans l'avenue Christophe Kamo pour mettre 10 feux là-dedans. Et bien, je voulais que tous les compatriotes qui t'ont supporté et qui ont supporté et qui ont continué à boumer pour jouer une justice pour le président Jovenel Moïse, il faut que vous soyez très prudent parce que monsieur, vous avez une machine qui a monté et la machine, vous dit, pour vous permettre le projet d'avancer, il faut que vous capotez la peur qu'a les partisans Jovenel Moïse. Moi-même, je dis René mon plaisir, qui sortit Boucan Guillaume. Lorsqu'on quitte Chop, m'a dit mon boucan Guillaume, mon ansapit, mon te fret, mon bradom, mon Chop, mon maouge, qui connaît tout parfaitement bien, eh bien, René mon plaisir, dans tête de groupe assassin, qui a planifié
yon attaque sous moi. D'abord, yon dit, côté Rosemont était là, il est difficile pour yon prendre force, c'est non guet-apens yon prendre. Et nous avons deux monde qui participent dans la réunion. Ils ne connaissent pas si nous avons propre monde par nous qui filtre, qui suivent. Et c'est pour ça que je vais lancer un vibrant appel. Il y a un ensemble de monde qui n'ont pas besoin de citer non, qui ont de très bons rapports avec le président Jovenel Moïse, puis très prudent. Prudent, pas veut dire la peur. Parce que Guéon, tant qu'on dit bon plan macabre. Que monsieur planifié pour yo faire représailles sous moun qui voulait kembe mémoire Jovenel Moïse vivant à travers la presse, à travers un ensemble d'activités. Il a planifié des représailles contre nous. Moi-même, étant donné des faits, et même madame Jovenel Moïse connaît, en mette occasion, moi dis madame Jovenel, faut que tu employes plus ça relait plus prudence parce que des malais qui pendier sous famille qui pendier sous yo et me rappeler dans salon Kay Martine Moïse me chita avec lui pour me dire ça pendier sous tête coupe présidentielle là faut que pas banaliser information vinn joine yo parce que en dehors des informations mais il y a des informations, c'était des informations vérifiées, vérifiables. Parce que je me dis, madame Moïse, si sept membres IGPN, armés de Galil, de M4, pour aller porter l'argent dans Sentier Marion, il n'y a pas qu'à dire que le groupe n'est pas exam qui désarme, qui frise, qui prend l'argent dans le meilleur. Ouais, juste qui va me donner pour m'analyser, pour me dire comment il n'y a pas de sécurité. Propre moun avec nous, cabaye nous, il y a besoin de nous. Si ça a passé, il y a besoin de nous. Il faut repenser la sécurité nous. De fait, 6-7 juillet, couplant wel. Yo constaté ça m'a dit yo. Parce que moi confiance c'est un geste qu'il faut comprendre. Est-ce que ou en sécurité à commun avec sous pense sécurité avec l'autre. Moi même matin moi fait conférence ça. Pour me dire pays a. Nous met quoi na samedi nous. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas pour faire une conférence, ce n'est pas envie de parler, mais il est très sérieux. Des groupes qui regroupent entre humanité, espoir, qui fait partie ensemble de groupes qui impliquent directement dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui n'est pas satisfait de côté de Rivière. Et yo bay tête sur mission puis aller plus loin. Mais moi-même, je me dis, rencontre la fête, Kay René mon plaisir, 111 communes quoi des bouquets. Rencontre la commencé de 10h du matin, li finit à 7h du soir. Yo coupé gâteau, yo boire champagne, yo fêté, yo prend youn toujours ret l'autre yo. Comme moi-même, je cible directement pour faire côté bourré sur moi, moi-même, je dis pays. Je sémente pour même pas bien dans 100 personnes. Cependant, je réserve le droit pour me défendre tête à n'importe quel moment. Son façon pour tout le monde connaît. Pendant que je parle là, je suis en situation de défense. Parce que il a attaqué quand même. Je ne pas courir pour yo. Je ne pas aller en exil. Je ne pas aller cacher pour yo. Et je ne pas mourir pour contre moi. Moi-même, je dis, militant, combattant,
femme à garçon qui te croit et qui croit et qui a continué à croire dans le projet président Jovenel Moïse. Président Jovenel Moïse a fini d'enterrer, mais nous-mêmes, nous avons des questions pour nous poser à ceux qui tuent les Jovenel. Moun qui tue Jovenel, il pas seulement colombien. Moun qui tue Jovenel, il y a dans le pays. Il y a des biens, il y a des fortunes dans le pays. Moun qui tue Jovenel, c'est moun. Jocelyn te privé te signé un contrat 4,8 milliards de dollars que le président Jovenel a coupé. Moun qui tue Jovenel, c'est moun. Ça pral gagne environ 2 mois côté président Jovenel, coupé un ensemble de monopoles, ou ap gade dans les réseaux sociaux, ap koutou ki marchandise que jodi a tout moun ka exporté. Ça veut dire, c'est moun qui tue Jovenel, yo tue pour tout yon projet. Et yo touye massacre 58e président pays nous, dans un temps peuple là, et peuple a entré dans un processus de choc émotionnel, choc psychologique. Et c'est même gens qui ont perdu une famille, un papa, une maman, ou pas qu'à croire que ça arrivait tout bon. Ouais. Et nous sommes 12e jour que le président a mouru. Le peuple a commencé à voir son réalité que tout le président, le massacre du président. Il y a un deuil. La première phase là, c'est qu'on pas accepter ça qui passe. Il y a entré dans la deuxième phase là. Et dans la deuxième phase, il y a un sentiment de colère qui sort. La colère a commencé à diriger par rapport à l'enquête. Et nous connaissons 3 composantes qui touillent le président. Et première composante, là, c'est la composante financière. Pour monter opération comme ça, il coûte au moins 20 millions de dollars américains, minimum. Il y a 6 personnes dans le pays qui ont une capacité de faire opération ça. C'est pour ça que même les. La police gen tan gen non, moun ki financier yo, li poko bay li. Mais la police gen el, pou ki sa poko ka bay li. Pep Port de Paix, gen tan bay non Reginald Boulos à Dimitri Vop. Pou ki sa la police pa ka bay li. Mais pa mwen kap di non, mais manifestation yo, Pep Port de Paix di Marie Boulos, Marie Dimitri Vop. Donc, aspect financier a clé. Deuxième composante ki poko clé pour peuple la, c'est dans force la police la. Qui est-ce qui participe dans tout le président en dans la police là? Il y a deux côtés pour regarder avec Marie-Louise Gauthier qui était en plan le 7 février qui se passait, fait Marie président, mener le bal, il tabac pour tout. Plan ça a été échoué. Plan 7 juillet à lui-même, il réussit partiellement, il tout le président, il a pour tout le première dame dans tout. Eh bien, bon Dieu, la première dame dans la vie, il n'y a pas de tout le première dame là. Donc, première phase a réussi partiellement. Donc, en dans force de sécurité, dans le commandement de la police, deuxième côté, vous n'avez regardé, en dans palais, USP, USGPN avec 4 signes. Malgré tout ça, les gars disent qu'il y a un petit selon le règlement de la police et USGPN, minimum policier qui doit être président pour la sécurité est 42. Jour où il est président, c'est 7 policiers qui sont là. Mon cap de 21 est menti. Il y a 7 policiers qui sont là, président, jouent tout. Ça veut dire qu'on a un qui range carbone pour faciliter. Non seulement on range carbone, bien pour tout le président, il n'y a pas ni blessé ni mourir. Les rois font sécurité au président aux États-Unis. En vent pour tout le président, il faut le prendre en vent. En quel que soit pays sous la terre, pas qu'on est qui blessé. Donc qui est-ce qui était dans la complicité avant nous? Deuxième composante là. Il y a 4 policiers qui mettent en isolement. Il faut nous connaître qui est-ce, combien ils ont touché pour ça. La police, pour moi-même, il y a 12e jour, il y a une information. Et dans la simulation que je fais, la police a gagné toute information dans la simulation que je fais entre 10 et 15e jour. Je dis à 12e jour, il y a une pour ça. Troisième composante qui touille le président, c'est la composante politique. Je dis à l'éclair qui est la composante politique direct que nous identifions qui touille le président, c'est parti politique unité. Avec sénateur John Joel Joseph qui est dans l'unité, c'est monsieur qui paye pour les machines que mes sénateurs utilisent pour le président. Lui-même a battu Joseph. Ça dit parti unité dans tout le président. Je dis toute mon unité, non, branche criminelle, parti unité tout le président. Avec 3 composantes qui tout le président. Quand il y a pas unité, est-ce qu'il y a une complicité de l'autre force politique et d'information, nous devons connaître. Parce que là, au fin tout le président, mercenaires, après information qui a circulé, c'est qu'il y a un poids là. À l'installer un juge femme coup de cassation de palais national. Qui est-ce lié? Pour ça la police pas bail. Pour ça la police pas bail. Juge femme ça qui est-ce qui connecté pour le défaire
pour défaire opération ça. Donc, les nous avons trois composantes qui touillent le président, composantes financières, composantes complicité dans la force la police là, et composantes politiques là qui c'est unité, nous avons, ça n'a pas vivre là, son coup d'État en quatre phases. Première phase là, réussi partiellement. Il va pas arrivé touiller première dame là. Il doit touiller le tout. Et il y a des informations qui sortent, qui doivent, il faut nous faire la lumière sur eux. Même les gens qui louent avion, qui fait mercenaire, sorti Santo Domingo, c'est même les gens qui prennent avion pour faire première dame dans tout le monde. Et les gens qui imité tout. Il faut regarder ça. Il faut regarder. Pas une roche. En bas, il faut nous garder en bas toute roche pour nous joindre tout le monde qui touille président. Donc, première phase coup d'État, nous connaissons déjà, il réussit partiellement. Ça n'a pas vivre là, pour a, c'est deuxième phase coup d'État. Il faut prendre pouvoir, et prendre pouvoir, c'est pour aller entrer dans la troisième phase là. Bloquer enquête, bloquer élection. Peuple pas gain doit voter en septembre, peuple pas gain doit aller dans le référendum, peuple pas gain doit choisir président, peuple pas gain doit choisir et parlementaire. Donc bloquer élection. Et quatrième phase là, dernière phase là, rétablir, annuler tout contrat volé que président a annulé pour bourgeois, remettre contrat en place. Écraser décret que président était blanc. Donc là, pendant que je parle avec vous là, nous sommes en deuxième phase coup d'État. Et pour ça, un ministre qui respectait tête tout, ou fidèle à président Jovenel Moïse, pas mettre corps dans le gouvernement ça. Qui te n'est pas affaire pour peuple à boule avec eux. Un ministre qui respectait tête tout, pas entrer dans le gouvernement ça. C'est un gouvernement unité qui finit tout le président. Donc dès qu'on entre là-dedans, avec tout est participé dans tout le président. Faut nous garder tout le monde. Par contre, roche pour nous pas lever. Parce que les nègres tout est président, son message je vois, bah oui, ou même capitaine de Mlas, sous son juge, ou bon décision que bourgeois volent le pays d'Haïti pas d'accord, il y a tué, oui. Et qui est président, il m'a ça, je vois, bah oui. Ou même qui sont commissaires de police, ou inspecteurs de police. Jean tout est président, si demain matin, ou arrête ton drogue dealer, ou arrête ton volet, il va faire même bagaille là, tout, oui. Il va faire même bagaille là demain matin. Ou même qui est un journaliste, sous son reportage, qui n'est pas aimé, il va faire même bagaille là. Et si nous ne voulons pas 59e président, 60e président, 61e président mourir, pour nous jouer le monde qui touille le président Jovenel Moïse. Et c'est pour ça que d'accord à toute organisation paysanne qui n'a pas qui dit l'enterrement pas qu'à fait, il n'y a pas quitter l'enterrement en fait, jusqu'à ce que il y ait tout le monde qui touille le président. Moi, je suis d'accord à ça. Et bien moi-même, notre proposition, organisation paysanne dans le département noir. Je dis tout autant que il n'y a pas joué, il n'y a pas un criminel bourgeois qui touille le président. Yo pa bay au clairement qui est dans la police qui touye président. Yo pa bay au toute composante politique là parce que dans composante politique là jusqu'à présent qu'il y a unité de gain. Nous pour gain reste là. M'a tande reste composante politique là qui touye président. De vous ban moi. Qui l'est ban moi? Bourgeois qui fait touye président. Qui l'est la police a ban nous yo? Et moi même, j'ai l'impression si peut pas prendre la rue, pas gon casser faire couriza président mourir net. Président qui t'a goumé pour nous. Président qui t'a goumé pour peuple là malheureux ou jeune tirer cela. N'est pas venir tirer cela jeune malheureux. Mes amis, 2021 pas capable quand coup 1806 quand j'en ai gueté touyer des salines. Et puis pendant 50 ans pas capable de dire. Il pas capable comme ça. Il pas capable comme ça. Moi même on ministre Jovenel Moïse qui respecte mémoire président pas gain droit en dans gouvernement ça. On ministre qui respecte cadavre président Jovenel Moïse pas gain droit en dans gouvernement ça. Yo mettez non arrêté. Démissionner, respecter cadavre président. Ou pas chita à criminel qui touye président. Ou pas chita à nèg pendant 4 ans et demi, nèg yo te besoin de tuer président. Tout nèg qui te besoin de tuer président pendant 4 ans et demi, nèg y entre dans le gouvernement là. Même c'est pas yo dit non, nous tout tap suivre. Tout nèg qui tap dit président va le finir comme Guillaume Sal. Yo tap planifié tuer président. Yo te sérieux dans Guillaume Sal yo. So va le faire, ou al chita non cabinet avec des nèg comme ça qui pendant 4 ans et demi te besoin de tuer président. Qui te nèg yo prend affaire pour peuple là capable nèg yo. Et peuple a parlé là avec ça. Mais même gade nèg kap trahi mémoire président, même pas là-dedans moi-même. L'on nèg konso jwenn on nèg koukou Jovenel Moïse. Kap goumen pour mettre l'électricité dans le pays. Kap goumen pour mettre barrage l'eau pour pays dans kakil si de la terre. Kap goumen pour bâtir route dans le nord-ouest. Côté ou pas jamb, on côté oublié net dans le nord-est la fait barrage Marion. Et si nèg yo, pate mette violence dans le pays pendant 4 ans et demi, c'est 6 barrages qui t'ap fait et avant l'aller. Et pour tout, il y a 6 mois, il était comme mandat. Et pour crever gel, pour dire peuple à m'a force à tout. Pour casser bras avant tout, il vous dit peuple à m'a force à tout. Et puis avec arrogance, vous montrez que vous montez gouvernement. Mais vous-même qui finit tout là. Non, mon cher, il faut que vous ayez des sens dans le pays. Parce que les gens qui ont provoqué nous là, il y a
a gardé nous pour est-ce qu'il nous pas répondre. En 1806, nous pas répondre. Nous passons 50 ans pas de parler de Dessalines. 2021 pas passer concours 1806. Et pour ça, organisation paysan, PIA, mes amis, si nous pas camper pour président, pas de monde qui camper pour lui. Et si nous pas camper pour président, demain matin, les nègres remettent le système en place. Ils mettent nous dehors net au niveau économique et politique. Pas venir plein demain matin. Ça, nous pas quitter l'occasion. Faut président, je dis. Et pour ça, même d'accord. À organisation paysanne noire qui dit pas gain enterrement qu'a fait président pas enterré tout autant yo va bay bourgeois moun qui dans la police moun l'autre moun qui dans politique qui touye président mais yo pas respecto yo pas prend rien yo garde concours son petit esclave courrier qui doit obéir bay maître là nous pas là encore nous pas dans l'esclavage te gain 7 policiers jou président mouri amen la caille pour des pertes Marie Original Boulos Marie Dimitri Bob comme nèg yo perdu dans réforme que président ou fait. L'électricité en 13 ans et 3 900 000 000 $ américains qui ont été ramassés, le président coupé. Dans le produit pétrolier, la compagnie française qui a contrôlé 52% du marché, c'est 450 000 $ américains par année, ils ont perdu à cause de réformes président. Comme ça, retourné dans la poche peuple. Donc, une coalition de monde qui touille le président. Faut que nous mettions les gens en bas. Quand même, son pays qui nous gagne. Les nègres ont massacré le président Jovenel Moïse. C'est votre peuple qui a massacré. Les nègres ont massacré le président Jovenel Moïse. C'est votre peuple, la démocratie qui a massacré. Mission que nous avons tête, nous, la police nationale d'Haïti, nous allons présenter par la presse qui ça qui fait dans le dossier enquête sur l'assassinat du président de la République. Et pendant 4 derniers jours, ça, depuis la dernière présentation que nous avons fait avec le gouvernement. Depuis la dernière présentation que nous avons fait, il y a 3 nouvelles arrestations qui sont effectuées. Il s'agit de 2 policiers, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte et un autre citoyen qui est Dominique Cauvin. Dominique Cauvin était présent dans toute réunion de planification assassinat président Béria et réunion ça a été faite la caille Coventon qui était arrêté déjà. Et toute information ça yo, yo confirmé, nous collecter après analyse, déclaration à Sayan. Nous présentons nous là Dominique Cauvin, qui sous contrôle la police, il est en détention. Après ça, la justice lance 8 mandats d'amener les 2 là-dedans qui déjà exécutés. Nous avons un mandat Mario. Contre Mario Antonio Palacios. Palacios, c'est un assaillant qui en fuite, en cavale. Nous avons mandat contre un certain Ascar Joseph Pierre, c'est un ancien diplomate qui a un rôle pour lui recevoir assaillant, soit dans l'aéroport, soit dans le poste constaté. Information qui est sous l'île après mandat, monsieur qui est un réfugié aux États-Unis, il nous est en route à celle et nous mandé autorité judiciaire aux États-Unis pour collaborer avec nous pour être capable d'appréhender l'élément ça. Là, nous allons présenter auteur, mon type dangereux qui était exécuté, qui t'a suivi commandité et opération ça. C'est le fameux Badio Joseph Félix que nous avons cherché et la police m'a dit, PNH l'a demandé, collaboration toute population pour nous capables le plus vite possible de mettre un examen en bas. Mandat contre Joseph John Joel. Tout le monde connaît, nous t'ai annoncé déjà, au même titre que Rodolphe Jarre, Badio. John Joel Joseph, c'est un auteur, c'est un participant, c'est un planificateur assassinat président Béhier. N'a pas cherché Gordon Fenil Désir, monsieur Sayo, photo Sayo, c'est des mondes que nous gagnons sous contrôle, dont Denia s'est couvert. Nous arrêtons
26 personnes. Et parmi là-dedans, c'est tout assaillant que nous te présenté déjà. Yo. Nous avons l'issue, nous n'avons pas besoin d'aller dans l'issue. Ça a un qui est tombé et il y a plus l'autre monde que des épisodes à chercher. Nous fouillons 13 résidences et l'important pour me citer là, c'est résidence, il y a une résidence John Joel Joseph, 3 résidences Joseph Félix Badjo, 1 résidence Rinaldo Corvin, une entreprise qui appartenait à la famille Jean, on l'autre hôtel qui est le Maxime Boutique Hôtel, on l'autre domicile de John Joel Joseph qui est en 83, et on l'autre hôtel qui est le Villa Rose Pelgrin 2. En dans Kaysayo, en dans résidence, nous saisissons un paquet d'examens avec l'autre matériel que nous allons citer pour nous là. Nous jouons dans 13 résidences, 45 fusils, parmi lesquels il y a une sésame la police. 14 pistolets, il y a dans une sésame la police que nous retrouvons. Nous retrouvons des centaines de cartouches de tout calibre. Nous jouons un drone, 3 grenades et des gilets pare-balles. Sous plan administratif, l'inspection générale a déjà réalisé 45 auditions et 23 mesures conservatoires puis on prend à l'encontre le policier dont 7 qui placé en isolement. 7 policiers ça, nous gagnons Dimitri Erard, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Jean-Charles Elie, Conrad Bastien, Fontus Prenor, Gentil Hubert. Dans le cartouche, nous saisissons 263 cartouches de calibre 40, 96 cartouches calibre M1, 72, 30, 24 cartouches de calibre 38, 6 walkie-talkie, 1 culasse, 1 drone, et bon, décidé ça déjà. Pour finir, Braldi, rapidement, nous jouons en pile auteur physique, nous travaillons sur auteur intellectuel, l'enquête là pour continuer avec un pile persévérance. La police a mis des moyens avec, en coordination, collaboration avec d'autres agences internationales, dont le FBI et l'Interpol. Et on a travaillé sous pour chercher qui est-ce qui était bien propre pour faire toute une opération. Ça. Nous connaissons l'opération sortie dans le recrutement des militaires colombiens à partir des États-Unis. Nous avons entré ici. Un petit groupe, pour l'autre vient rentrer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait pour faire financement ça. Il y a une infiltration dans la police, il faut qu'il y ait un pour faire ça. Il y a un recrutement, c'est City You. Il y a un corps, il y a un pays, il y a chaque nègre qui a un montant pour être touché. Il y a des contrats qui ont été signés avec Mounio pour un temps. Donc ça veut dire qu'il y a un financement. Avec, nous continuons à faire recherche pour nous joindre compagnie ça, Worldwide Capital Lending Group. C'est lui qui t'a collecté comme pour bail. Parce que ça non. Information là. Nous en phase pour nous exploiter tous les matériels que nous avons saisi pour nous capables de retracer, remonter à hauteur intellectuelle. Assassinat ça. Nous baillons la population garantie que la police là déterminée pour faire travail là. Et c'est la police là qui a mené l'enquête là. Avec les enquêteurs spécialisés de la DCPJ qui ont 25 ans, 26 ans d'expérience, nous avons manqué matériel technique, technologique avancé. Heureusement, nous gagnons appui de d'autres pays. Avancer avec nous dans l'enquête là. Nous gagnons
trois ressortissants étrangers qui vivent aux États-Unis qui essentiellement participent dans le financement. Nous demandons FBI, l'autre équipe qui travaille avec nous pour aider nous à retracer les gens. Parce qu'en Haïti, ils ont financé, ils ont patronisé. Et l'opération ça, nous gagnons pour travailler avec les Américains pour être capables de mettre les gens sous contrôle, retracer les contacts que vous avez pour être joints pour faire ça. Et finalement, pour finaliser l'enquête là, remettre les ben, la justice pour que la famille présidentielle ta jeune justice, pour que pays a ta jeune justice. Je vais tout mettre en œuvre pour faciliter, en ce qui me concerne, que le président de la République, son Excellence, Jovenel Moïse, sa famille et toute la nation obtiennent justice. Ce qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 est inacceptable. C'est un coup contre la République, contre la démocratie, contre la tolérance et contre la nation haïtienne. Les forces de l'ombre ont détruit le corps du président, mais l'idéal jovenelien perdure. Le combat va continuer. Par ailleurs, en ce qui me concerne, avec l'appui de la police nationale d'Haïti, je prendrai toutes les dispositions que la loi permet pour accompagner le processus électoral en vue de faciliter le renouvellement démocratique à travers des élections libres et sincère. Je profite de l'occasion pour demander à la PNH, institution républicaine de l'État, de rester sur ses gardes et de ne ménager aucun effort pour sécuriser les vies et les biens de la population qui souffre de la lutte des gangs armés. En ma qualité de votre supérieur hiérarchique, sachez que je suis à vos côtés. Rôle-nous tous ce travail pour peuple-là. Jean-président Jovenel Moïse, t'es toujours qu'on dit là. DCPJ, commissaire du gouvernement, la justice, en travail, main en main, pour famille président, ak pèp ayisyen jwenn justice. Parti politik yo, an kite chirepit la, de côté, parce que li pap menen peyi a ken côté. An fayon trêve pou pèp la ka jwenn. Nou pral nan bon jan eleksyon, sans fòs côté. Pour peuple a choisi, moun li vle pour diriger. Moun ki gen zam illégal. Ren tête nou bay la police. Ak tout zam yo pou nou ka espere yon réinsertion nan société. Vive Haïti, vive la République. Je donne lecture tout de suite de l'arrêté qui explique notre présence ici cet après-midi. Vu l'arrêté du 5 juillet 2021 nommant le Premier ministre Dr. Ariel Henry, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du cabinet ministériel, considérant qu'en cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection de notre président. Arrête. Article 1er. Le citoyen Ariel Henry est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail.
Le citoyen Claude Joseph est nommé ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Le citoyen Simon Dieuseul Dera est nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Patrick Michel Boisvert est nommé ministre de l'Économie et des Finances. Le citoyen Charles Aubredi est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Wilson Edouard est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Ricardin Saint-Jean est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen James Cadet est nommé ministre de l'Environnement. La citoyenne Luz Curtin Cassandra François est nommée ministre du Tourisme. Le citoyen Rockefeller Vincent est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La citoyenne Judith Nazareth Auguste est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Le citoyen Lise Kittel est nommé ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. La citoyenne Marie-Lucie Joseph est nommée ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle. La citoyenne Marie-Greta Roy-Clément est nommée ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Sophia Loréus est nommée ministre à la Condition féminine et aux droits de la femme. Le citoyen Patrick Justin est nommé ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Jean-Emmanuel Jacquet est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Enol Joseph est nommé ministre de la Défense. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés, ce qui sera fait dans quelques instants. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais National à Port-au-Prince le 19 juillet 2021 en 218e de l'indépendance par le Premier ministre Dr. Ariel Henry. Bien avant et en propos de circonstances, je vous demande de vous lever pour observer une minute de recueillement en mémoire du président Jovenel Moïse. C'est dans un contexte particulier de grande tristesse et de préoccupation que nous accueillons le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, dans sa fonction de chef de l'administration de la primature. L'assassinat crapuleux du président de la République dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 dans sa résidence privée alourdit l'atmosphère, interpelle et pose toute la problématique de la gouvernance publique démocratique dans le pays. La crise politique, charriant avec elle un ensemble de problématiques liées à la sécurité, aux élections, à la réforme constitutionnelle, à la très grande faiblesse économique et sociale, se retrouve aujourd'hui exacerbée. La famille haïtienne, désemparée, se cherche encore les meilleures voies et moyens pour sortir de ce qui présente comme un casse-tête chinois. C'est dans donc ce contexte historique accablant pour la nation que vous êtes appelé à la gestion du pays. Une vraie œuvre titanesque vous attend, ensemble avec votre gouvernement, l'espoir de tout un pays
de retrouver immédiatement la paix, la sécurité et le mieux-être au-delà des échéances politiques repose désormais sur vos épaules. Cela va nécessiter que vous puissiez bénéficier d'une forte solidarité gouvernementale, de l'harmonie et de la cohérence dans les actions publiques. La primature, à travers son secrétariat général, structure essentiellement technique et administrative, participant à la coordination de l'action gouvernementale, observateur avisé des soubresauts et des nombreuses difficultés de la gouvernance publique, est désormais à votre service et demeure attentive à vos orientations pour vous accompagner dans votre mission pour le moins délicate. Vous trouverez à vos côtés, à la primature, des femmes et des hommes, fonctionnaires publics dévoués au service public, compétents, disponibles et toujours prêts à accomplir sans rechigner leurs tâches administratives et techniques. Je m'en voudrais de terminer sans adresser mes remerciements spéciaux au Premier ministre sortant Haï, Dr. Claude Joseph, pour sa collaboration, son ouverture d'esprit et son sens de l'intérêt général qu'il a fait montre dans la gestion de la primature. Je vous souhaite bonne continuation dans vos fonctions de ministre des Affaires étrangères et des cultes. J'ai été un témoin privilégié de vos actions au profit de l'État durant l'intérim que vous avez assuré à la tête du gouvernement. Depuis un peu plus de 3 mois, j'ai la lourde responsabilité en tant que ministre des Affaires étrangères et des cultes de diriger le gouvernement ad intérim suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout. Cette charge m'a été confiée dans un contexte de crise politique vieille de 2 ans ou de plus de 2 ans, exacerbée par une insécurité galopante, caractérisée par des cas de kidnapping spectaculaires, des troubles récurrents à l'ordre public et les assauts des gangs armés. La circulation des personnes et des biens s'en est trouvée sévèrement perturbée. La peur a gagné toutes les couches de la population, souvent victime d'actes d'assassinat. Il est important de noter que le président de la République voulait faire de la démission du Premier ministre Joseph Jout une opportunité pour faciliter la conclusion d'un accord politique avec des secteurs de l'opposition et acteurs de la société civile organisée en vue de mettre un terme à la crise et par conséquent faciliter l'organisation des joutes électorales dans un climat politique apaisé. C'est ce qui a motivé le chef de l'État à ne pas désigner un chef de gouvernement définitif, laissant la voie ouverte à la désignation d'un Premier ministre de consensus issu de l'opposition avec pour principale mission la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est ainsi que le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, intensifiait le dialogue qu'il avait initié avec la classe politique et la société civile, ayant abouti, après environ 3 mois, d'atermoiement et d'hésitation de la part de celle-ci au choix consensuel du Premier ministre en la personne du docteur Ariel Henry. Le Premier ministre de consensus a été nommé par arrêté présidentiel le lundi 5 juillet 2021. Malheureusement, moins de 48 heures plus tard, soit dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, le président de la République a été fauché chez lui en pleine nuit par des mercenaires, des assassins recrutés expressément pour accomplir cette sale besogne, selon les premiers éléments de l'enquête judiciaire. Le premier ministre désigné n'a pas eu le temps de constituer son gouvernement en concertation
avec le président de la République. Il n'a donc pas pu être investi dans ses fonctions ni installé par le chef de l'État. Ce drame épouvantable qui a plongé le pays dans l'émoi et la consternation a porté le gouvernement démissionnaire à revenir à la charge, conformément au principe de la continuité de l'État. C'est ainsi que, grâce à l'engagement solidaire et au sens aigu de la responsabilité de tous les membres de l'équipe gouvernementale, nous avons su tenir la barque nationale, garantir la paix publique et par-dessus tout, prévenir le pays de la catastrophe à laquelle un tel événement devait l'exposer. Quoi qu'on dise, aujourd'hui où les conditions sont réunies pour assurer la passation de dossiers entre le gouvernement démissionnaire et le gouvernement définitif, conformément aux dernières volontés politiques du feu président Jovenel Moïse, selon bien sûr la belle formule de l'ancien Premier ministre Evans Paul, nous devons nous enorgueillir d'avoir pu éviter que le pays sombre dans le chaos et l'anarchie qui le guettaient au lendemain de ce crime odieux et abominable. Parallèlement, les dispositifs idoines ont été pris très rapidement à l'effet de déclencher les opérations policières ayant permis d'appréhender les assassins du président de la République et du même coup d'initier l'enquête judiciaire. C'est une situation inouïe que personne, vraiment personne, ne pouvait imaginer, mettant à rude épreuve une équipe gouvernementale démissionnaire et en instance de départ. Il a fallu faire preuve d'intelligence et d'ingéniosité pour mobiliser les ressources et énergies nécessaires pour y faire face. L'histoire ou la postérité retiendra qu'il a fallu, dans cette circonstance exceptionnelle, du courage, de la clairvoyance, de l'abnégation, du patriotisme et surtout un sens élevé de l'État. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis d'adresser aux membres du gouvernement démissionnaire, en particulier aux membres du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, ainsi qu'aux membres de mon cabinet, mes félicitations et mes remerciements au nom de la patrie commune pour leur sens de responsabilité, les sacrifices consentis et leur collaboration franche et sincère. L'assassinat du président de la République est un coup dur porté à la démocratie. Il est venu nous rappeler les sacrifices qu'il faut consentir pour trouver la voie du développement et d'une gouvernance publique saine en Haïti. L'équipe gouvernementale qui cède sa place aujourd'hui au gouvernement de consensus restera à jamais marqué par ce sacrifice ultime d'un homme, d'un chef d'État jeune, pétri d'énergie, de courage et de dévouement, qui a voulu tant de bien pour son pays et pour lequel on se battait à ses côtés. Nous nous devons donc de poursuivre, individuellement ou collectivement, cette lutte contre les inégalités sociales qu'il menait constamment. Faisons-le pour sa mémoire et pour notre pays. La République lui doit d'identifier tous ses assassins, auteurs intellectuels, complices et exécutants. Tout gouvernement, tout acteur politique, tout citoyen, toutes les forces morales doivent s'engager dans cette démarche afin qu'une telle atrocité ne se reproduise plus dans notre pays. Vous héritez d'une situation exceptionnelle, caractérisée par l'absence du président de la République pour vous servir de bouclier. Une crise politique sans précédent dans l'histoire du pays, une insécurité galopante, une situation socio-économique morose et précaire, un processus électoral à poursuivre impérativement, et j'en passe. Tel est le sombre tableau du pays dont vous allez diriger le gouvernement, monsieur le Premier ministre. Y a-t-il des recettes pour vous aider, vous et les membres de votre gouvernement, à relever de tels défis avec des enjeux aussi importants? Difficile à dire. Toutefois, ne peuvent-elles pas être trouvées à travers un dialogue franc et ouvert
impliquant toutes les composantes de la société ou à travers un accord politique engageant toutes les forces vives de la nation. En tout état de cause, Monsieur le Premier ministre, la satisfaction des besoins de la population, l'établissement d'un climat d'apaisement social et politique, la résorption du phénomène de l'insécurité, la création des conditions nécessaires au développement du pays et le bien-être collectif sont parmi les principaux chantiers qui vous attendent, ou mieux, qui nous attendent. Sans oublier, bien entendu, la poursuite. Sans oublier, bien entendu, la poursuite et l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat du président de la République en vue de la manifestation de la justice autour de cet acte de la pure barbarie. Sans oublier, bien entendu, la poursuite et l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat de mon ami, mon président, Son Excellence M. Jovenel Moïse, en vue de la manifestation de la justice autour de cet acte de la pure barbarie. Je m'engage à vos côtés pour contribuer, dans la mesure du possible, à la pleine et entière réussite de votre mission. En débutant cette cérémonie, je suis certain que, comme moi, vous avez une pensée spéciale pour le président de la République, victime de ce drame national dans la nuit du 6 au 7 juillet en cours. Je vous prierai donc de vous mettre debout pour observer un moment de silence et de recueillement en sa mémoire. Au cours des nombreuses conversations que j'ai eues avec le président avant ma nomination au poste de Premier ministre, il m'avait clairement fait comprendre qu'il n'était pas satisfait de ce qui se passait dans notre pays et qu'il avait un rêve pour Haïti et pour le peuple haïtien. C'est un devoir pour moi d'en parler publiquement. Il voulait que les relations entre nos compatriotes changent et deviennent plus harmonieuses. Pour lui, il était impératif de satisfaire les besoins essentiels de la population et de consolider les bases de notre démocratie malade. Malheureusement, il a été lâchement assassiné. Et une fois de plus, nous condamnons avec la dernière rigueur ce crime inqualifiable qui laisse dans le deuil sa femme, ses enfants, sa famille et la République tout entière. Je présente à tous mes sincères condoléances et je souhaite à la Première Dame, Madame Martine Moïse, un prompt rétablissement. Cela fait bien longtemps que dans notre pays, personne n'avait osé attenter à la vie d'un président de la République. Ceux qui ont renoué avec cette pratique barbare devront payer de leur forfait. Oui, tous les coupables, auteurs et commanditaires devront être identifiés et traduits devant la justice haïtienne. Et je souhaite que des peines exemplaires et dissuasives soient prononcées. La nation n'attend pas moins de ses dirigeants. Plus jamais nous ne devrons vivre un tel drame. Je remercie les nations sœurs qui nous apportent leur solidarité et leurs expertises dans la conduite des enquêtes et la recherche de la vérité. Pays a traversé une situation malouque. Dans tout sens. Dans le mauvais passage, il y a un bagage tout le monde d'accord sous lui. Quitte c'était président, quitte c'est gouvernement PAMLA, parti politique, groupement, religion catholique, religion protestante, vaudouisant,
groupement paysan, monde qui dans business, gros business, petit business, organisation qui défend droit monde, association professionnelle, barreau avocat, association syndicat, association étudiant, même communauté internationale. Tout le monde reconnaît que solution crise là, c'est haïtien yo même qui pour joindre. Haïtien, femme ou garçon, il y a une responsabilité pour mettre tête ensemble. Pour nous sortir dans ça nous y est là. Cette solution haïtienne doit impliquer tous les haïtiens sans exclusive. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre trouver des solutions conduisant à des changements durables en posant l'exclusion comme préalable. C'est pourquoi, comme je l'ai exprimé dans mon adresse à la nation, dans les jours qui viennent, je vais recommencer mes rencontres avec les représentants des forces vives de la nation en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. C'est dans un contexte de polarisation extrême et de difficultés pour les différents secteurs de la société haïtienne à se parler que nous devrons trouver et mettre en œuvre une solution durable à la crise multiforme à laquelle nous sommes confrontés. Je suis d'une école qui croit dans le dialogue comme moyen privilégié de règlement des différents conflits et surtout en matière politique. Toute question qu'à discuter, sans baigner et baigner sans cacher l'ombre. En étant démocratie, élection avec état de droit qui n'est pas négociable. Nous ne pas mettre dans la tête, nous, n'a résoudre tout problème pays à un petit bout de temps, nous gagnons devant nous. Mais, avec collaboration tout démocrate, nous avons créé des conditions pour réaliser bon genre élection dans le pays. Pour raison ça, il faut que nous rétablissions confiance, rétablissions l'autorité de l'État dans tout quatre coins du pays. Et puis, empêcher Zagolo Rayo de continuer à déchepiller le petit peuple. Il est indispensable que les citoyennes et les citoyens fassent de nouveau confiance à notre système judiciaire. Il est également important de mener une lutte sans merci contre la corruption, la contrebande et les trafics illicites en tout genre et de revenir à un fonctionnement normal des institutions démocratiques. Mon gouvernement fera tout ce qui est possible pour créer un environnement favorable pour une reprise de l'économie et pour attirer des investissements dans le pays, créer des emplois et garantir des perspectives d'avenir pour notre jeunesse. Nous étions chapeaux, nous baissons-nous bien bas devant tout le monde, femmes ou garçons, qui victimes en bas des actes violencieux. En pile, monde mourit. Bien qui blessé, yo ben di kay à tout bien yo. Yo pillé commerce yo, machine yo boulé. Yon pile moun s'est obligé quitter côté à vivre là avec toute tête sage que ça la cause. L'une de mes tâches prioritaires sera de redonner à la population l'assurance que nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité. C'est l'un des dossiers principaux auxquels le président de la République voulait que je m'attaque. Car il avait bien compris que c'était un passage obligé si nous voulions réussir son autre sujet de préoccupation, qui est l'organisation d'élections crédibles, honnêtes, transparentes et inclusives. Publiquement et solennellement, je m'engage aujourd'hui
à m'acquitter de cette noble mission. De concert avec les forces de l'ordre sur le terrain, nous allons nous atteler à créer un environnement sécuritaire, fiable et stable en vue de faciliter la reprise des activités politiques en toute sérénité à travers le pays et de favoriser une participation massive, la plus élevée possible, des citoyennes et des citoyens en âge de voter. À cet effet, la police nationale et les forces armées d'Haïti sont appelées à jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre l'insécurité et la criminalité dans le pays. Elle doit répondre efficacement à cette responsabilité que lui confère la loi, garantir l'ordre et la sécurité publique. Aujourd'hui, plus que jamais, la population haïtienne a besoin de vous, policières et policiers de tout rang et de tout grade, membres des forces armées d'Haïti, pour enrayer ce spectre lugubre qui entraîne le désarroi de notre société. La bataille contre l'insécurité, nous devons la gagner et nous la gagnerons. Vous ne serez pas seul dans ce combat. Je m'engage à renforcer la capacité opérationnelle de l'institution policière et de l'armée pour mieux répondre à la trilogie homme, mission, moyen. Soyez à la hauteur de cette tâche qui vous est assignée. Ayez toujours la loi comme boussole. La nation tout entière prendra acte de votre dévouement. Pour repartir sur de nouvelles bases, il faudra donner l'assurance à nos compatriotes qu'ils pourront, au temps marqué, choisir librement celles et ceux qu'ils veulent voir à la tête de l'État, au Parlement et dans les collectivités locales. Notre système électoral sera crédible, honnête, transparent et garantira aux partis politiques et à leurs candidats qu'aucun camp ni aucune personne ne sera favorable. En mémoire de Sainte Thérèse, on répète souvent que ce n'est pas la longueur d'une vie qui compte, mais la qualité de la vie. Et un auteur disait, mon ambition, c'est mourir et rester immortel. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, tout en rachetant qu'on l'attendait à Jérusalem pour le minimiser, n'a pas eu peur de quitter Nazareth pour se rendre à Jérusalem, tout en sachant l'épée de Damoclès qui l'attendait quand il était prêt à se livrer pour le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous sauver et nous libérer des forces du mal. Rien n'arrive sans nous offrir une opportunité réelle, d'un avantage réel et durable, rien du tout. Nous touillons, Président. Nous assassiner président, nous empoisonner président, nous exiler président. Mais, président, ça, tant qu'il y a un gros poisson à coller dans la gargane. Avec la disparition corporelle du président Jovenel Moïse, tout n'est pas fini. Balle a commencé. Car écrit Godfrey Reikin, les nuages pourront obscurcir pendant un temps les rayons du soleil, mais jamais n'arriveront à éliminer l'existence même du soleil. Le rêve du président se concrétisera malgré vents et marées en Haïti. Comme l'a souligné le docteur La Rosilière, redeviendra la première nation nègre du monde, le premier pays libre de l'Amérique, co-signataire de la Charte des Nations à San Francisco le 26 juin 1945. Permettez pour terminer cette citation de Henry Ford. Venir ensemble est un commencement. Rester ensemble est un progrès. Vivre ensemble est un succès. Et c'est le moment pour nous, poursuit Henry Ford, de venir ensemble, de rester ensemble, de vivre ensemble, pour nous organiser et nous structurer. Prendre la parole aujourd'hui est très difficile pour moi, mais je dois le faire. Immense est notre perte. Infinie notre douleur. À cette perte et à cette douleur, je veux dire que le moment le plus difficile pour moi, c'est le très touché exercice, mesdames et messieurs, de prendre la parole à présent
en cette cérémonie d'hommage au président Jovenel Moïse. Un homme intègre, réaliste, nationaliste, patriote, qui, comme le père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, lui-même assassiné, a pensé à ceux-là dont les pères sont en Afrique. À la vérité, je suis là pour parler, pour dire un mot en l'honneur d'un homme, d'un chef d'État avec qui j'ai collaboré pendant 4 ans et 5 mois, pendant toute la durée de son mandat. De son avènement à la première magistrature de l'État jusqu'à son assassinat. Et avec lui aussi, j'ai suivi 87 conseils des ministres. À la vérité, dans la nuit du 6 au 7 juillet de l'année en cours, le président Jovenel s'est retiré de la vie terrestre, lâchement assassiné par des mercenaires colombiens, américains et haïtiens, agissant à la solde des oligarques corrompus de ce pays. Mais je sais, comme les premiers qui ont été assassinés, je veux parler du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, de Sylvain Salnave, de Jean-Jacques Dessalines, Michel Saint-Sinatus Lecomte, de Jean-Simon Villebrun, Guillaume Sam. La mort, l'assassinat du président Jovenel Moïse ne doit pas passer inaperçu. Et aujourd'hui, la principale priorité pour nous, c'est justice pour le président Jovenel Moïse. Je veux dire un mot. L'histoire retiendra ceci du président Jovenel Moïse. À défaut de l'éliminer électoralement, 22 mois de campagne pour être président, de l'éliminer moralement, économiquement, politiquement, socialement, mystiquement, les oligarques corrompus l'ont finalement éliminé physiquement. Mais le rêve du président Jovenel doit persister. On a éteint, on n'a pas éteint son soleil, on a seulement écarté des rayons. Je veux dire, sans vouloir exagérer, à l'instar de Jésus-Christ, qui avait donné sa vie pour sauver l'humanité, le président Jovenel Moïse s'est offert en holocauste pour aboutir à la libération d'Haïti. Mais je me réjouis d'une seule chose. Fidèle à sa conviction, il est parti avec bravoure comme il a vécu. Mes sincères condoléances à Madame la Première Dame, à ses enfants et à tous les membres de la famille éplorée. Président Jovenel, c'est un monde qui aime les femmes en pile, le mouvement femme là. En tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, et ministre des Affaires sociales et du travail, je ne peux me passer de cette occasion pour dire à mon président, à notre président, va en paix, mon frère, et la lutte continue. Tu veux compter sur nous. Mon Gethsémani en famille.
Le Christ Dieu avec Pierre et moi, pauvre humain, personne. Mon ça c'est président, mon ça premier ministre, etc. Nous sommes toujours français. Au Conseil des ministres, nous étions libres à dire tout ce que nous pensons ou tout ce que nous avons apporté pour le bien de notre pays. Si je bat dans le gouvernement, je t'entends, je n'ai pas parlé de président Jovenel, je suis arrivé à assassiner le Jodia. Quand n'importe qui monde comme ça. Je ne sais pas n'importe quel garçon ça, même si nous avons le petit, qui était vraiment gagné. Courage, détermination pour changer le pays. Nous prenons des arrêtés. Nous prenons des décrets. Et pour le bien du pays, parce que j'ai entendu dire par plus d'un que ces décrets ont été pris en Conseil des ministres, serviront pour le développement de notre pays, pour le bien de la population haïtienne. Tout le monde perdit. Oui, tout le monde perdit. Qu'on riche, qu'on blanc, qu'on nègre, qu'on pauvre, qu'on lettré, qu'on intellectuel. Nous tous perdus. Mais nous ne pouvons pas camper là. Je viens du Nord, comme le président. Et la lumière vient toujours du Nord. Et nous allons continuer la bataille pour que le président Jovenel Moïse ait justice. J'ai immortalisé le monde autour de moi. Je n'ai pas compris le sommeil, la surdité, l'aveuglement de ceux qui veillent sur moi et qui protègent le symbole que je représente. Rapprochés de l'action, ils n'ont rien entendu. Aucune voix, aucun appel, aucune manifestation de présence humaine, aucun souci du devoir, aucune obligation patriotique, aucun geste d'humanité. Je bois mon inquiétude avec les miens. J'ai appelé au secours aux amis pour comprendre. Au secours à ceux qui ont le devoir de me protéger. Ma famille, la nation. Et ils ne m'ont pas porté secours. Je vis mon inquiétude, égrenant mes minutes de silence, de minutes de pénitence. Dans le bruit assourdissant des rafales de mitraillettes. Je vis mon Gethsémani en famille. Le Christ Dieu avec Pierre et moi, pauvre humain, personne. Je suis seul au milieu des assassins avec les miens. Nous sommes seuls, sans ressources, sans rescousse, dans notre solitude habitée par le craquement des mitraillettes. Et aucun de mes gardes n'a entendu. Je suis seul à veiller sur la nation avec la nuit et son cortège d'étoiles. Le combat m'a affaibli et j'ai subi l'assaut. Je ne peux plus continuer à décrire ni la scène, ni raconter les étapes du sacrifice. Je suis sans force. Voyez mes yeux. Voyez ma tête, voyez mes mains, mes jambes, les taches des projectiles et vivez le reste. J'ai souffert. J'ai forcé mon destin pour continuer celui de mon peuple. Et ils ne m'ont pas donné la chance. J'ai brandi mon sabre de combat. J'ai parlé, chanté, hurlé, vociféré, grondé, mugi. Mes soldats m'ont abandonné et mon armée a capitulé. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Je regarde tout maintenant. Je regarde tout maintenant dans mon profond sommeil. Et je fais des révélations aux miens, à mes compagnons. Je les conduis avec mon bâton comme un aveugle qui connaît sa route. Qui reconnaît la voix des siens,
et qui distingue même le parfum corporel de ses ennemis. Mes membres ont retrouvé leur vigueur. Je continue à marcher. Mes bras sont encore robustes et je tiens mon sabre. Mon crâne est en effet enfoncé, mais mon cerveau capte les images, les sillages, les visages. Et je deviens ce robot guerrier, infatigable, qui accomplit son travail pendant que les autres fuient ma crainte de colère. Je suis toujours le capitaine en action, qui poursuit le combat pour que vivent les miens et mon peuple, pour que l'amour détrône la haine et construise l'harmonie. Je ne suis plus inquiet. Je ne suis plus inquiet. Et dans l'invisible, j'accomplis mon devoir. Avec cet amour indéfectible à ma famille, je t'aime, peuple haïtien. Et je veille avec ceux que je rencontre, là où je suis, sur toi, Haïti. Ainsi parle-là, feu le président Jovenel Moïse. Il m'a été très difficile de trouver une introduction à mes propos. Il m'a également été très difficile de trouver les mots justes pour rendre hommage à un patron, un collaborateur, un ami, un frère, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a été pour moi tout cela à la fois. Quand on s'est rencontré à la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, on s'est tout de suite reconnu. Deux petites souhaites qui ont durement travaillé pour obtenir le respect de leur communauté. Deux paysans qui n'avaient pas honte de leurs origines. De Negandeyo, qui n'avait aucun grain en eau, la caille aucune orfèvre, qui pourrait les faire baisser la tête devant quiconque. On a sympathisé non seulement grâce à nos ressemblances, mais aussi à cause de nos divergences. On est devenus amis parce qu'on a tout de suite été honnêtes l'un envers l'autre. On est devenus frères parce qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. J'ai connu Jovenel Moïse, l'entrepreneur. Jovenel Moïse, l'homme d'affaires. Jovenel Moïse, le père de famille modèle. J'ai appris à connaître Jovenel Moïse, le politique. Et j'ai pris plaisir à travailler avec son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, le président de la République. Avant date s'arriver là, 6-7 là, j'étais déjà assassiné caractère résident. Dans un paquet de mensonges sous lui. J'ai connu un homme qui était en dialogue permanent avec l'histoire. J'ai vu, quand il a fait appel à moi au cours de l'année 2015 pour faire partie de son équipe de campagne, tel son conseiller stratégique, parce que c'était ça, mon rôle, j'ai vu un homme qui était déterminé. Le président a toujours dit, le pape trahit cause peuple là. Parce que lui-même, il sortit de la paysannerie. Et là, son relation Chanel, il était gagné avec le monde paysan. Les oubliés de l'histoire. En pile monde dans la société, pas ouais pour monde dans le pays. Système qui écarte une bonne partie de la population. Nous relevons mon dehors, gros orteils, etc. Jovenel Moïse était un refus à tout ça. C'est un homme qui a foncé la porte de l'histoire pour apporter de justice. Un idéal de progrès à la nation. Je crois que après ça qui finit passé là, la nation tout entière, et même les opposants les plus farouches du président, ils ont condamné à cela. Nous voyons dans le monde international, la communauté internationale dans son ensemble, les chefs d'État et de gouvernement, dans le monde africain, nos frères de l'Afrique, ils ont consterné. Donc, Jovenel Moïse était en dialogue permanent avec l'histoire. Tout dossier le moyen, c'était toujours quelle est la dimension historique de ce dossier. Moi, j'ai côtoyé le président pendant plus de 6 ans, 2 ans pendant la campagne électorale, 4 ans et demi, 4 ans, 5 mois pendant le président. Je voyais toujours un homme qui était en perpétuel questionnement avec l'histoire. Doré, ça me fait là comment l'histoire juger. C'était toujours comme ça. La mort du président Moïse a mis fin à son élan patriotique, a envoyé au calendre
la réalisation de l'un de ses rêves les plus chers, à savoir la justice sociale en faveur des classes défavorisées, qui permettrait aux déshérités de pouvoir satisfaire leurs besoins primaires, d'accéder aux services sociaux de base et d'intégrer librement et sans entrave aucune le marché du travail. La disparition brutale et tragique du premier mandataire de la nation marque un coup d'arrêt dans la lutte contre la corruption, dans le processus d'électrification, de modernisation de l'État et des infrastructures du pays, entre autres choses. Le président Jovenel Moïse est mort pour ses convictions politiques et sociales, pour ses idées de changement et pour sa vision du développement durable de la nation, et surtout pour sa volonté de bâtir un lendemain qui chante pour tout un chacun, particulièrement pour les paysans de l'arrière-pays, les enfants de ghetto et des bidonvilles, bref, pour toutes les couches les plus défavorisées de la population haïtienne. Au moment où nous pleurons notre bien-aimé président et que nous nous inclinons devant sa mémoire qui doit demeurer et à jamais vivante dans la conscience collective, nous devons prendre l'engagement solennel de faire en sorte que ces idées ne soient pas mortes, que les aspirations au bien-être et au progrès des classes défavorisées qu'il portait avec force et détermination ne soient pas ensevelies avec lui. Comme disait très justement l'autre, on peut tirer à boulet rouge sur quelqu'un jusqu'à l'éteindre physiquement, mais jamais on ne saurait éteindre ses idées et sa conviction. Criminel, yo te gon plan. Oligarque, yo te gon plan. Plan, c'était détruire caractère président. Détruire caractère président jusqu'à ce qu'il isole le moralement et psychologiquement. Ensuite, tuer. C'était plan. Moun ki la yo, moun ki reclame yo de ce courant de pensée, soyez fort. Parce que attaque yo, gen pou yo vini sou nou. Yo gen pou yo tenter assassiner caractère nous, isoler nous moralement et psychologiquement, ensuite détruire nous physiquement. C'est le plan. Le sang du président Jovenel Moïse a coulé pour l'émergence d'une nouvelle Haïti. Jamais, plus jamais, de telles atrocités, de tels actes de barbarie ne doivent se reproduire sur le sol haïtien. Les assassins, les auteurs, les complices, les auteurs intellectuels de cet acte odieux doivent être poursuivis et traqués dans leur dernier retranchement, arrêtés et jugés conformément à la loi. Nous souhaitons vivement que le nouveau gouvernement, qui prendra charge sous peu pour conduire la Banque nationale jusqu'aux prochaines élections, fasse sienne cette responsabilité et mette tout en œuvre pour l'assumer. C'est important pour le peuple haïtien qu'on trouve les auteurs intellectuels et les auteurs réels de ce horrible meurtre. C'est important pour nous. D'accord ? Et nous ne ménagerons pas nos efforts pour trouver les auteurs et les amener, et les auteurs et les acteurs pour les amener à la justice. De comprendre. Nous te allons cou. Nous te apprenons l'autre bagaille. Ah, vous en venez composer? Elle n'est pas tellement dit. Nous avons fait deux, nous étions. Numéro 19, là, je ne pas comprendre ni parce que je n'étais pas mon 4, je ne ni pied ni tête là. Ni pas de paradis. C'est le cash, je ne pas mettre, je ne pas de l'eau. C'est un examen qui est vraiment facile, mais si vous ne pas mettre en place, vous ne pas faire. Mais ça m'a demandé de me lever même pour Jean Yokembe nous dire, pour Jean Payan, nous avons des lèvres de jeunes professeurs, mais je suis obligé de demander pour examen demain pour le facile, même j'ai ça aujourd'hui. Et ça m'a dit, parce que un pays pas bon, nous ne pas jeunes professeurs tout le temps, c'est sans pile. Mais je suis venu en tout cas, dit à tout le monde, parler avec la CV, nous dit, mais nous stressons de ça. Nous venons de jeunes présidents mourir. Bon, c'est ça qui a fait nous tous sous examen l'État. Bon, nous faisons nous mes cachets, seulement nous va faire nous laver. Nous faisons nous mes cachets, nous entrer, nous mettons cachets. C'est ça, nous va pas nous laver, mais nous même l'eau va mettre là. Nous faisons nous mettre cachets, mais nous va faire nous laver, mais nous. Examen,
li facile pour moun ki te étudier mais soit étudier après le dit. Je dis on fait sciences sociales, créole et puis tout anglais. Examen va pas être li pas paraît trop dur parce que dès pour travail on toujours ba you normal. L'examen a été très facile. OK. C'est pas une chose que c'est à la disposition de tout le monde. On a fait créole, communication créole et puis sans social. Et puis tout à l'heure, on va avoir un thème. Si on n'a pas réussi, c'est pas. Vous n'avez pas besoin de stresser parce que c'est facile. Depuis nous étudier, on a fait examen. C'était facile. C'est à la disposition de tout le monde, à la portée de tout le monde. Avant, c'était stressant. Parce que. C'était stressant hier? Oui. Comme si on matait parce que nous ne sommes pas vraiment habitués. Et puis quand on a vu l'examen, on a dit, oh, regarde comment c'est facile. Et puis on a vu le stress est parti. C'est très facile. Si on ne peut pas étudier, ce n'est pas faute. Et professeur, l'examen est très facile de vous étudier, capable de bien proposer. Et de vous travailler, vous avez une compréhension, vous avez bien proposé. Pas gagner, les filles vont mettre cachée des fois, gagner mieux. Pas gagner la phase j'aime, vous mettez pour nous. Par exemple, l'école nous. On a contre l'école, on a fait un lavement, on a un sanitizer. Et puis, on a dit nous mettre cachet, respecter 1m50 ans, mais bon, ici, on a pas fait. On a sauté les gens, on a porté la mettre en boquille, puis on a lavé les mains, puis on a dit on a mettre cachet, puis respecter 1m50 ans. On a lavé même, on a mangé, on a mettre cachet, on a mis 1m50 ans. L'examen n'est pas vraiment difficile. Depuis hier, nous, dans ce temps-là, on a proposé. Nous avons proposé ce social jeudi. Il n'est pas vraiment difficile. Monter sur notre besoin de bon sens pour proposer ce social-là. Bon sens avec compréhension. On a besoin pour proposer ce social-là, il n'est pas difficile. Donc aujourd'hui, l'examen était vraiment facile. Parce que je n'ai jamais espéré que l'examen soit facile comme ça. D'après moi, je trouvais que l'examen était plus facile que ça ou bien l'école-là. Son bagage que je ne pas espérer. Et je souhaitais que tout élève passe. Je fais différence dans l'examen de l'école, mais l'examen de l'État est facile. De vous étudier, de bon sens, pour réfléchir par rapport à ce examen, on va faire. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée. We'll be right back.